Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Chambéry, 2208. J'ai commencé à Leflon, c'est là-bas. J'ai monté direction Col de Tanet. Juste un peu avant, j'ai pris à gauche le sentier qui vient en direction Plain de l'Ourthie. Après, j'ai monté par la voie normale, on va dire. Et puis maintenant, je vais essayer de faire le chemin des arêtes. Direction les Cornettes Bis. Enfin, plutôt direction sous l'enfer. Je sais qu'il y a quelques passages T5, mais l'herbe, elle a l'air d'être sec. Donc, si je vois que ça passe pas, puis que je suis en train de trop forcer, je fais demi-tour, il n'y a pas de problème. Et je descends par là. Par là aussi, il y a un chemin qui descend, puis je peux choisir. Soit je monte au Cornettibis, soit je descends par le lac Tanet, qui est là-bas. À voir. Donc, mes amis, n'oubliez pas que... Il est en cours, hein, le crowdfunding pour le livre Randonnée Sommet 3000 dans le canton du Valais. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce livre. Contribuez dans la mesure du possible. Avec 60 francs de contribution, vous réservez tout de suite un exemplaire. Et puis je vais faire au mieux pour que les gens qui ont contribué au crowdfunding soient les premiers à recevoir l'exemplaire avant qu'il soit mis en vente dans les magasins de sport, des offices de tourisme et tout ça. Je vais faire au mieux. Et puis aussi, je vais essayer de faire le tirage avant la fin de l'année. Normalement, c'est faisable. Là, il y a beaucoup de travail tout le temps. Mais voilà, je vais faire au mieux. Comme d'habitude, smashez le like button. Insérez un commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Ici, je ne vais pas descendre. Je vais plutôt continuer tout droit pour aller direction Tête des Écoutis sans passer par le plein de l'Ourthie. Sinon, là, j'allais descendre environ 150 mètres dénivelé pour après remonter. Le sentier balisé depuis Plain de l'Ourthie, il arrive ici. Après, si on continue là, on descend côté lac Tanet. Donc c'est ici que je vais quitter le sentier balisé. Et là-haut, c'est le Chambéry, 2208. Donc le passage, c'est par là. Je sais que vous d'ici, il a l'air méchant,
Mais non, ça passe très bien, c'est vraiment pas compliqué. Je sais même pas si c'est étroit, mais en tout cas, c'est pas compliqué du tout. Sommet du Chambéry, 2208 mètres, dans le Chablais. Grandmont, Les Jumelles, Montvaleur, Montgardy, Château Edentoche, les Cournettes de Bis, le Mont de Grange, le Mont Blanc, la Haute Cime, le Mont-Velin, le Grand Compin, la Ruinette, Mont-Blanc-Chaillon, Dent de Morcle, Dent de Favre, derrière le Cervin, le Grand Mouvrin, à droite la Dent Blanche, sommet des Dablerets, Bec à Dodon, Haute Hor, comme vous voulez. Ville de Sassel, Ville Strubel, et encore à gauche, Jungfrau, Monch, Eiger. Après Gumflou, les Vanilles, Vanille Noir, Vanille de l'Écri et Vanille de Paré. Puis encore le Dent de Lys, Molaison, enfin, on voit tout d'ici. Ici, c'est un passage clé, il ne faut pas glisser. Alors, on descend ici, et puis on remonte par là. Et puis maintenant, ça comme ça
Ici, je suis vraiment sous l'enfer. Mais il faut faire attention, hein. Là, c'est extrêmement exposé, et puis c'est la montée ici aussi. Ici, alors descendre ici et monter. Chambéry, et puis après toute l'arête avec sous l'enfer qui soit derrière. Sous l'enfer, il doit être caché là derrière. Puis après, j'ai descendu comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner à Leflon au parking.